Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Pokémon. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Aujourd'hui, on continue. Je sais même plus qui on a affronté la dernière fois en dernier. Trévis, je crois. Je sais plus. J'ai qui en premier dans mon équipe? Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de Pokémon, hein, donc... Ok. On affronte qui? Ah ouais, voilà, c'était Trévis le dernier. Ah non, Donna. Mais si, je vais encore te niquer, c'est tout. J'ai jamais aimé ce Pokémon. Enfin, le catcheur oiseau. Ah, c'était pas du sérieux la dernière fois? C'était pour avoir un badge quand même, hein, déconne pas. Mais niveau 52, rigole pas. Hein. Aïe! Oh, pas sûr. Bon, allez, à la place de Viridracoa. Après tout. Pourquoi pas? Ouais, lui, il est combat. Hein. Ouais, mais du coup, il est que combat ou il est combat vol? Attaque psy. Ça devrait le faire, non? Je me sens pas en confiance. Ça, c'est parce que je me sens pas bien depuis que je me suis levée ce matin, mais... J'adore ce Pokémon. Je l'ai même pas tué, c'est triste. Aïe! Ah bah ouais, coup critique! Oh, on se calme! Est-ce que moi je fais un coup critique? Non? Ouais, Krakos, c'est le truc bizarre là. Ouais, ça, le poulpe. Après l'oiseau catcheur, le poulpe catcheur. Si on le fait comme ça, c'est bien, non? C'est mieux. J'ai un gros doute sur le Pokémon, là, je vois pas en fait. Ah, ça. Décidément, lui, je vois jamais en fait. On va faire une petite Dynamax, hein. Il reste deux Pokémon. Incroyable. Bon, je sais pas si je ferai tout le post-game Pokémon, mais ça a l'air intéressant. Non, ma cognure, on change pas, non? Je verrai si je fais le post-game ou pas. Ça dépend.
Oh, il a l'air tout petit comme ça, ma cogneur, c'est trop mignon. Il va me faire mal, hein. J'espère que je l'attaque en premier, quoi, sinon... Je suis plus rapide qu'un Malconeur quand même. Il est beaucoup moins petit. Je le dupe pas. Ah non, la vitesse, ça m'arrange pas. Une guérison, t'avais besoin d'une guérison. Bon, moi je vais mourir, mais... Ah ouais, parce que je redeviens petite. Coucou. Voilà, on est mort. Au revoir, vers devoir. C'était sympa. Ah, pourquoi pas. Ça faisait déjà 3 tours pour lui, j'avais oublié. Il a l'air petit quand même en fait, hein. Même à côté de Corvéus. Au revoir. Non, il n'y aura pas de prochaine fois, cherche pas. Tu perdras tout le temps. De rien. Tais-toi, laisse-moi continuer. Allez, suivant. Mais t'inquiète, je vais gagner, moi. Là, c'est Roy. Roy, c'était le mec dragon. Du coup, ma dragon, j'ai l'embarras du choix après, mais ouais, on va mettre Gardevoir en premier. Peut-être c'est une grosse erreur de ma part parce que je sais pas qui va m'envoyer en premier après tout. Hein. Surtout que c'était le mec dragon qui avait pas tant de Pokémon dragon que ça sur lui, je crois. Mais c'est moi qui vais affronter Tarak. Mais si je vais te battre une deuxième fois, non mais oh. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Voilà. Paye ton Pokémon Dragon, quoi. J'aurais dû laisser les Arbus en premier, hein. Mais j'ai la flemme de switch, voir ce que je lui fais comme dégâts avec ça.
Ah, c'est un coup critique, merde. On va peut-être pas mettre les Argus tout de suite. Hein. Il y a lance-soleil, quoi. Ouais, donc on va rester sur un petit truc comme ça, genre psycho, peut-être. Voilà, psycho, c'est mieux. Boumata, mais c'est un type feu. C'est quoi ce dresseur de Pokémon Dragon sans Pokémon Dragon? Moi je comprends pas. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Ah, t'es feu dragon peut-être. C'est pas efficace? Ah ouais? Ah bizarre, j'aurais cru. Mais il sait faire que ça. Ouais, j'allais dire bug pas comme ça 50 ans. Hein. Évidemment. J'avais la flemme de switch, lui met une guérison quoi. À mourir quand même hein, que ce soit de ah bah. Que ce soit directement de les Argus ou non de les Argus, c'était vachement utile de mettre une guérison. Ah là c'est un Pokémon dragon, pas le meilleur quoi, mais et puis quand il nous sort un Pokémon dragon, c'est pour nous sortir ça, quoi. Ah, il est dégueulasse en 3D comme ça, avec les trucs qui coulent. Oh, il y a le mucus qui coule, c'est dégueulasse. Danse lui. Ce combat n'a aucun sens. Aucun. Mais est-ce que je t'ai sorti un Pokémon au corps de braise là? Et pourquoi j'aurais sorti un Pokémon au corps de braise face à un dresseur dragon? Ça n'a aucun sens. Ce combat n'a aucun sens. C'est dingue. Il manquerait plus qu'il envoie un Pokémon au corps de braise alors qu'il vient de dire lui-même que la pluie c'était pas bon pour eux. Ah putain, Libégon. Non, on change pas. Non, on change pas. Ça ira. J'adore Libégon. Ah, mais il est type sol aussi lui, non? C'est pas sol dragon? Je sais plus. Je sais plus. Oh. Mais ce combat n'a quand même aucun sens. Moi je suis une dresseuse de type glace, du coup j'aime bien la glace. Et j'ai zéro Pokémon type glace dans mon équipe. Ah, mais il Dynamax pas? Ce combat n'a aucun sens.
Mais c'est quoi ce délire? Avant, comment je redoutais les Pokémon type dragon dans la première génération, Peter, à la Ligue. Où t'es au bout de ta vie, t'as plus de guérison dans ton sac, t'as plus rien. T'es face à Peter, à l'époque, pensant que c'est le dernier combat. Et t'es au bout de ta vie, tu dis j'y arriverai jamais. Puis derrière lui, il y a encore quelqu'un, t'es dégoûté. Mais déjà Peter, dragon, t'es au bout de ta vie, mais là... C'est quoi ces dresseurs type dragon à la con? Bon ça, c'était pas le dernier Pokémon, mais... Je croyais sur le coup, j'ai eu peur. Lui, tu vas le Dynamax. Mon dieu. Bon bah je suis pas convaincue quand même. Hein. On va tout balayer. Tu vas peut-être balayer garde-voir. Après... Après ça s'arrêtera là quoi. Ce combat n'a aucun sens. C'est même pas un Pokémon dragon. Aïe. Voilà, tu balayes garde-voir. J'adore la chute de garde-voir qui tombe avec sa robe. Moi, je t'envoie un Pokémon dragon. Et je vais faire une attaque sol avec. J'en ai marre. Ah, j'ai tremblé, hein. Là, peut-être, je vais trembler. Il va me faire mal. Oh, ça va. Franchement, vu que je suis pas dynamaxé, ça va. Incroyable, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Aïe, là je vais trembler. Là ça fait plus mal. Bon, lui au moins il arrive à me liquider quelques Pokémon. Ça change. Je crois qu'il mettre de rappel, j'ai la flemme. Bah, je pensais pas le tuer avec un lance-flamme, mais bon. C'est la classe quand tu gagnes avec Renard. On s'est entraîné à donf. Putain, ça parle jeune des années 2000. J'aurais vraiment dû mettre numéro 69. Le maître a vaincu, on l'appellera plus comme ça bientôt. Là, j'ai hyper confiance et je vais me faire rouler dessus en fait. Non, cache ton Pokémon, il est moche. Encourage ton frangin, il va en avoir besoin.
Allez. Par contre, je voudrais remettre mon starter en premier. J'ai peur. Au secours, on va faire un petit save. Ça fait longtemps que... J'ai jamais save en let's play, je crois, celui-là. Je sais plus. Bon. Allez, c'est parti. On va devenir le maître. Allez, fonce vers la victoire. Moi, je vais me faire rouler dessus, peut-être. J'en sais rien du tout. Ça va être un combat, les amis. Tu vas regretter de m'avoir donné une lettre de recommandation. T'inquiète, j'ai pas peur. Un petit peu, mais... Bon, j'ai un Dracofeu, on va lui rouler dessus, hein, mais... Ah, je suis en stress, quand même. Ah, c'est le champion, quoi, ça y est. Mais il n'y a eu aucun challenge dans cette ligue, entre guillemets. Pour sauver Galar, tu déclenches la nuit noire. Ok. C'est bizarre de sauver Galar en faisant ça, quand même. Ah mais non, mais mon combat... Du coup, j'étais en stress et j'ai même pas... Non. Oh, ben quand est-ce que j'affronte Tarak? Pas maintenant, j'imagine. Ah mais non. J'étais à deux doigts de devenir maître. Mais non! Qui veut sauver Galar en répandant les ténèbres dans Galar, j'adore. C'est Xehanort, le gars. La première fois qu'on a entendu parler... Je sais plus, moi, la statue du héros. Un Motorbi? Je me souvenais pas que c'était un Motorbi. La forêt. Ouais, la forêt. Ah, on va à la forêt du coup là? Mais mon combat? Mon titre de maître? Bah ouais, mon match ultime, arrête de me rappeler cette souffrance. Ouais, voilà, mais c'est comme ça qu'il veut sauver Galar. Voilà, Master Ball. Ah non, merde. Bon, j'ai encore des Rapid Balls, ça passe. Pour ceux qui m'ont suivi dès le début, vous vous rappelez les légendaires où je lance une Rapid Ball, hop, capturé. Et ouais, je suis une vraie dresseuse maintenant. Mais j'ai failli être maître, quoi. Fais chier. Mais oui, je suis prête. Allez, avance. Ouais, je me souviens. Ça m'avait fait bizarre de commencer une aventure Pokémon comme ça. Ça, j'avoue, au début de Pokémon, c'était très perturbant, par contre. Je dis, il y a peut-être un truc cool à capturer, mais bon, pas ouf, non? Pas ouf. Ça me stresse de pas pouvoir bouger la caméra, par contre, c'est chiant.
Oh putain, t'es grand, tu fais... Ouah! Je vais flipper un peu, hein. Ah, mais il y a plusieurs chemins. Je sais pas où aller, moi. Ah oui, effectivement, il y a plusieurs chemins, ouais. Non, c'est pas ça que je... Mais depuis le temps que je cherche à pêcher, je savais même pas comment on faisait. Ouais, c'est ça que je voulais. Putain, c'est space comme endroit quand même. Non, je voulais pas. Non, il est trop bizarre ce Smogogo, il me fait peur un peu. On dirait les gentlemen des premières versions. Réincarné en Smogogo. Désolé, c'est pas que je t'aime pas, mais bon, enfin... Puis en plus, je crois qu'il est type acier. Ben voilà, quoi. Un Smogogo type acier, comment dire? Ça m'intéresse pas spécialement. Enlève ça, c'est moche. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bah décidément, il y a beaucoup de Smogogo ici. Hop, dégage, dégage, hop. Attends, il y a là-bas. Non, là-bas, je pense que je peux pas. Si, dégage! Je m'en fous de toi, et de toi aussi sûrement. Oh, bah encore plus de toi, ouais. Je préfère encore Smogogo. Pourquoi t'as pas l'air sûr de toi? C'est un limonde. C'est un limonde. Comment tu peux ne pas être sûr de toi? Ah bah ça ramène au même endroit en fait ça. Très bien. Les gars, arrêtez de me faire chier. Ah là on a une bol. Il y a un limonde au sol, on l'a tous vu. Ah, Nabil est là. On a combien de temps de vidéo? Je peux m'arrêter là, ce serait frustrant. Mais non, mais laisse-moi aller avant là-bas. Non, c'est pas pire que la dernière fois. La dernière fois, on voyait... Ah, là maintenant, oui. Coucou. Mais te cache pas! Ah, mais non! Ouais. Ok, tu peux me laisser voir ce qu'il y avait ici maintenant? Rien. Bah ouais. Bah du coup, on va quand même se quitter ici pour cet épisode, les amis. Comme ça, je continue la deuxième partie de la forêt. Parce que je pensais que le combat allait se lancer maintenant, mais non. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.